الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب مهم من أهم أبواب الفقه، ولا سيما في باب الصلاة، ألا وهو شروط الصلاة، يعني شروط وجوب الصلاة وشروط صحتها. Donc on est arrivé à l'une des parties les plus importantes du livre, et qui plus est l'une des plus importantes du chapitre de la prière. C'est le chapitre sur, ou le sous-chapitre sur, les conditions qui rendent obligatoire la prière, ainsi que les conditions de la validité de la prière. Et c'est dommage de voir si peu de monde assister à ce genre d'assises de science. Pas forcément les miennes, mais des assises de science qui concernent la validité de la prière, les conditions de la prière. Parce que, comme on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, il y a un grand nombre de prieurs qui prient alors que leur prière n'est même pas valide et n'est même pas acceptée auprès d'Allah, Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais appris comment faire la prière. Allah leur a dit, ou nous a dit, « Wa aqimu salah », faites la prière, et nous, nous faisons la prière comme ça au hasard. Sans demander aux gens de science comment faire la prière. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui est obligatoire dans la prière? Et ça, c'est vraiment très malheureux. Alors, awwalan, shurut wujubiha, wa hiya al-islam. Fala tajibu ala kafirin, idh taqaddumu shahadatayni shartun fil amri bis salat, li qawli nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil hadith alladhi dhakarnahu min qabl. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وكذلك لقول معاذ يعني معاذ بن جبل حينما أرسله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن ليدعو قوم اليمن إلى الإسلام فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة والحديث صحيح رواه الإمام البخاري. Alors la première condition de la prière, la première condition à remplir pour être tenu de prier, pour que la prière nous soit prescrite, selon le mazhab de Shir et le mazhab d'une partie des savants, c'est l'islam. Alors, tout d'abord, j'aimerais justement expliquer le khilaf avant de détailler l'avis du Shir. Pourquoi j'ai dit que l'islam, c'était une condition min shuruti wujubi salat. C'est une condition de l'obligation de la prière. Selon l'avis du Shir et d'une partie des savants, ils estiment que la prière n'est obligatoire que pour les musulmans. Donc d'après eux, quelqu'un qui n'est pas musulman, comme par exemple nos concitoyens français athées ou laïcs de confession, pour eux, la prière ne leur est pas obligatoire. Ils disent pour qu'elle leur devienne obligatoire, il faut d'abord qu'ils se convertissent. Et lorsqu'ils seront devenus musulmans, là, elle leur sera obligatoire. Mais tant qu'ils ne sont pas musulmans, elle n'est pas obligatoire pour eux. Cette question, les ulamas ont divergé dessus. Et pas seulement au sujet de la prière, mais au sujet de toutes les ibadat, de toutes les adorations. La question s'est aussi posée pour la zakat. Est-ce que la zakat, elle est obligatoire seulement aux musulmans ou elle est obligatoire à tous les êtres humains? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Wa aqimu salata wa atu zakat » Faites la prière et donnez, sortez votre zakat. Pareil pour le jeûne, as-siyam. Est-ce que le jeûne, il est obligatoire seulement pour les musulmans ou il est obligatoire pour l'humanité tout entière? Alors il y a deux avis. L'avis du shir et l'avis d'une partie des savants, c'est que tout ceci n'est obligatoire que aux musulmans. Et on va évoquer les preuves du shir et ensuite on va détailler très rapidement le deuxième avis. Donc le shir nous dit, la prière n'est pas obligatoire aux kafirs. Celui qui est mécréant, il n'est pas obligé de prier. Car la shahada,
ou plutôt ash-shahadatayn, les deux témoignages. J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Mohammed est son prophète et son envoyé. Nous dit, ces deux shahadas sont une condition qui précède la prière. Si cette condition n'est pas remplie, ça ne sert à rien d'appeler un mécréant à la prière, puisque déjà il lui manque la toute première condition qui est de professer les deux professions de foi, ash-shahada. Et le shir a des dalils, et les savants qui sont de cet avis ont leurs dalils. Parmi le premier des dalils, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent et qu'ils professent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, qu'ils fassent la prière. Mais le prophète a dit d'abord qu'ils attestent la shahada. Ensuite, qu'ils fassent la prière. Ensuite, qu'ils donnent la zakat. Et ce hadith, on l'avait déjà expliqué dans le cours passé. Et le deuxième hadith qui est encore plus clair là-dessus, c'est le fameux hadith de Mu'adh ibn Jabal. Radiyallahu anhu, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé prêcher le peuple yéménite au Yémen. Il a envoyé une personne. Il n'a pas envoyé une jama'a de 5-6 personnes parmi les plus illettrés et les plus analphabètes. Il a envoyé une personne, le plus instruit. C'est comme ça qu'on fait la da'wa fi sabilillah. C'est comme ça qu'on appelle à Allah. C'est pas on sort par douzaine, on n'a jamais étudié, on n'assiste jamais aux assises de sciences et on part appeler les gens alors que nous-mêmes on a besoin qu'on nous appelle à réformer notre islam. Ça c'était juste une parenthèse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par quoi a-t-il conseillé Mu'adh? D'ailleurs, pourquoi il a envoyé Mu'adh? Parce que dans un hadith il nous a dit Mu'adhu afqahu sahabi, afqahu ashabi. Dans ce sens-là, je ne me rappelle plus du hadith par cœur en arabe. Le messager d'Allah a dit Mu'adh, plutôt il a dit A'lamu an-nas bil halali wal haram. Il me semble que c'est ça le hadith précis. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que ce Mu'adh ibn Jabal, qu'il a envoyé au Yémen pour prêcher les gens, il a dit c'est le plus connaisseur du haram et du halal. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Quelle était sa wasiyya, son testament qu'il a légué à Mu'adh? Il lui a dit invite-les à attester qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète et son envoyé. Fa'in ata'uka. Fa, on l'avait déjà expliqué lors d'une khutba, il me semble. Mada tufidul fa fil lughati al arabiya? Ta'qib. Si, ash-shart wa ta'qib. Si ils obtempèrent, si ils t'obéissent, si ils attestent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète et son envoyé, alors informe-leur qu'ils ont cinq prières à prier de nuit comme de jour. Donc c'est la condition fa'in ata'uka, c'est là qu'est toute la subtilité. C'est-à-dire que fa'in lam yuti'uka, s'ils ne t'obéissent pas là-dedans, alors ce n'est même pas la peine de leur parler de la prière et de leur expliquer qu'ils ont cinq prières, puisque aslan, à la base, ils n'ont pas voulu embrasser la ash-shahada, ils n'ont pas voulu professer ash-shahada, le témoignage de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, effectivement, c'est l'un des hadiths les plus probants en faveur des tenants de cet avis, que tous les humains ne sont pas concernés par les adorations, et notamment par les cinq piliers de l'islam, ou en tout cas les quatre qui suivent la shahada, et que cela ne concerne les quatre piliers, notamment, que ceux qui ont d'abord professé la shahada. Mais il y a un autre avis. Moi, personnellement, c'est l'avis qui m'a le plus convaincu. Cet autre avis des savants, il dit que tous les êtres humains sont tenus d'adorer Allah par tout ce qu'il nous a rendu obligatoire et de s'éloigner de tout ce qu'il nous a rendu interdit. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on trouve que les gens du paradis questionneront les gens en enfer. Masalakakum fi saqar. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a précipité dans Saqar, qui est un fleuve au paradis, qui est un pardon, qui est un tourment de l'enfer, Saqar. Qu'est-ce qui vous a précipité en enfer? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Est-ce que quelqu'un connaît la suite du verset? Qalu lam nakun ahsanta. Qalu lam nakun min al musallin. Wa lam nakun nut'imu al miskin. Naam. Mais le point précis, le point, le shahid huna fi hadhihi al-ayat. Adamu salat, faqdihim as-salat, wa faqdihim az-zakat. Lam yakunu yut'imu al-miskin.
Donc, dans des versets du Coran, les gens du paradis questionneront les gens de l'enfer qui ont été jetés au feu. Et ils leur diront: qu'est-ce qui vous a précipité en enfer? Qu'est-ce que vont répondre les gens de l'enfer? La première chose qu'ils vont répondre, c'est: nous ne faisions pas partie des prieurs. Et nous ne nourrissions pas le pauvre. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Qu'est-ce que ça prouve? Ça prouve qu'Allah les a punis parce qu'ils ne faisaient pas la prière. Donc on en comprend que même les mécréants, même les infidèles, même les incroyants, ils sont quand même soumis à la prière. Ils doivent prier. Maintenant, nous, en islam, on l'avait déjà expliqué, le wali ul amr, le gouverneur, le chef des musulmans, celui qui impose les punitions légales, les hudoud, celui-là, il a coupé la main, on lui coupe la main, etc., etc. Eh bien, le gouverneur, il n'est pas tenu d'appliquer les sentences aux non-mécréants. Donc, on dit, c'est aux, pardon, non-mécréants, aux mécréants. On dit les mécréants, les infidèles, les non-croyants et les non-musulmans, ils sont tenus d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la même façon que nous, on l'adore. Ils sont donc tenus de prier. Ils sont donc tenus de jeûner. Ils sont donc tenus de faire la zakat. Ils sont donc tenus de faire le pèlerinage et tout ce qui est relatif à l'islam. Et s'ils ne le font pas, ils seront punis pour cela. Ils ne seront pas punis juste pour leur kouf, pour leur infidélité et leur mécréance, mais ils seront en plus punis pour tout ce qu'ils ont délaissé des obligations de l'islam et pour tout ce qu'ils ont accompli des interdits de l'islam. Seulement, fi dunya, ici-bas, nous, à partir du moment où ils n'ont pas embrassé l'islam, on ne va pas les juger selon notre charia. On ne va pas aller dire à un juif, à un chrétien, à un athée, à un laïc, à un bouddhiste, etc., etc., prie, et si tu ne pries pas, on te coupe la tête, comme on l'avait vu dans le cours précédent. Mais l'avis, très certainement le plus juste, c'est qu'ils seront punis pour tout ce qu'ils ont délaissé des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce serait trop facile. Nous, les musulmans, si on ne prie pas, on a expliqué le cours dernier. Le messager d'Allah a dit: celui qui ne prie pas, laïsa baynahu wa bayna Allahi ahdun, fa insha'a ghafara lahu, wa insha'a. On a dit, le musulman qui ne prie pas, il n'a pas de pacte entre lui et Allah. Donc si Allah veut, il le pardonnera, mais si Allah le veut, il le punira, alors que c'est un musulman. Et il est pourtant sous la menace de la punition divine. Alors que dire de quelqu'un qui n'est même pas musulman? Lui, non seulement il sera puni pour ne pas avoir embrassé l'islam, mais a fortiori, il sera puni comme les musulmans qui ont désobéi à Allah, tout simplement. Donc, on ferme la parenthèse sur l'ikhtilaf, sur la divergence à ce sujet. Donc, le cheikh, lui, il est de l'avis que l'islam, c'est une condition pour que la prière te soit obligatoire. Si tu n'es pas musulman, mon voisin français qui est laïque, athée, qui ne croit en rien du tout, lui, d'après le cheikh, il n'est pas obligé de prier, il n'est pas soumis à la prière. La deuxième condition qui fait que tu es soumis ou non à la prière, à l'aql. À l'aql, c'est quoi? C'est la présence d'esprit, c'est-à-dire avoir l'esprit saint. Un fou qui a perdu la raison, on ne va pas lui dire prie, tu es obligé de prier, puisque Aslan, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Meskine, parfois il se fait pipi dessus, tellement il a perdu l'esprit. Il est out, il est hors jeu. Comment on va lui dire prie la salate alors que des choses plus faciles que la salate, il n'arrive même pas à les faire? Pourquoi? Parce qu'il a perdu l'esprit. Donc le fait d'avoir la présence d'esprit à l'aql, c'est une condition qui rend obligatoire la salate. Donc le cheikh nous dit: Fala tajibu salatu ala majnunin li qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud al-Hakim wa sahahahu, la plume s'est levée au sujet de trois cas. Qu'est-ce que ça veut dire la plume s'est levée? C'est-à-dire le châtiment d'Allah est suspendu. Le châtiment d'Allah est suspendu dans trois cas. Anin na'im hatta yastayqiz, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille.
Celui qui dort, par exemple, et qui va dire un gros mot, on va pas dire, ah, t'as dit un gros mot pendant ton sommeil, Allah, il va te punir. Celui qui dormirait et sans s'en rendre compte, il a touché une femme qu'il n'a pas le droit de toucher comme sa cousine qui était à côté, on va pas lui dire, Allah va te punir parce que tu as touché ta cousine. Il était en train de dormir. Rufi al-qalam. Tout est suspendu pour lui. Et le petit enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. On l'a déjà expliqué. À partir du moment où tu es devenu pubère, tu es un homme, mon frère, tu es une femme, ma sœur. Tu ne peux plus dire que tu n'es pas soumis aux obligations de l'islam et aux interdits de l'islam. Mais tant que tu n'as pas atteint la puberté, alors tu n'es pas soumis à ces obligations et à ces interdits de l'islam. Et la plume est suspendue sur le fou, celui qui a perdu la raison, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse et lui rende la raison. La troisième condition, on vient de l'invoquer sans le faire, de l'évoquer sans le faire exprès, al-bulour, le fait d'avoir atteint l'âge de la puberté. Fala tajibu ala sabiyin hatta yahtalim li qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa ani sabiyin hatta yahtalim. Ghayra annahu. Alors ça, je ne vais pas le dire tout de suite. Alors la troisième condition qui rend obligatoire la prière, c'est la puberté. Comme on vient de le voir dans le hadith précédent, la plume est levée sur l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Une fois qu'il a atteint la puberté, qui a lieu pour les filles entre 9 et 14, 15 ans, pour les garçons c'est légèrement plus tard, entre 11, 13, 14, 15 ans, à partir du moment où ils ont atteint la puberté, ils sont considérés comme des adultes musulmans responsables, responsables de leurs actes et de leurs paroles et de leurs relations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'ai une question importante à vous poser, car les gens doivent le savoir. On est tous, incha'Allah, bi'idhnillah, destinés à avoir des enfants ou des petits-enfants, pour ceux qui ont déjà eu des enfants et qu'ils n'ont pas su leur apprendre ces choses-là. Comment décèle-t-on qu'un petit garçon ou une petite fille est devenu pubère? C'est une question importante. Et il y a bon nombre de musulmans qui ne le savent même pas. Je l'ai déjà dit, on a des filles qui sont pubères depuis des années et on ne leur a jamais dit, ma fille, tu es devenue une femme, tu dois te voiler, tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois sortir ta zakat si tu es éligible à la zakat, etc. etc. Comment كَيْفَ نَعْرِفُ أَنَّ الصَّبِيَّ قَدْ أَصْبَحَ رَجُلًا أَوْ الْفَتَاةُ قَدْ أَصْبَحَتْ امْرَأَةً كَيْفَ نَعْرِفُ الْبُلُوغَ. Oui. Et les garçons, lorsqu'ils sentent qu'ils sont devenus hommes. C'est-à-dire. Ah oui, mais là, il ne faut plus être timide parce que c'est à cause de cette timidité que nos garçons ne vont rien comprendre. Ils vont me dire, ah, mais moi, je me sens devenu homme. Maman, elle m'a acheté un costume Spider-Man. Je suis un bonhomme maintenant. Naam. Naam. Voilà, bah, alhamdoulilah. Vous êtes complétés les uns les autres parce qu'il y a plusieurs signes. Celui qui ne voit pas le premier signe, il peut se baser sur l'autre signe. C'est pas obligé que tous les signes arrivent en même temps. Donc, les signes qui sont communs à la femme et l'homme, c'est la présence des poils pubiens. Pourquoi? Parce que, je vais me faire taper sur les doigts par le président, on va encore dire que je dis des choses dangereuses dans la mosquée, on va encore être convoqué par les RG. Mais à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, il y avait donc des captifs. Il y avait des captifs parmi les enfants. Lorsqu'on vainquait les adultes qui étaient mis à mort, c'est pas qu'en islam de toute façon. Ça a toujours été comme ça. Le vainqueur prenait, s'accaparait les femmes et les enfants. Ça a toujours été comme ça en situation de guerre. Donc au temps de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'ils avaient des captifs de guerre parmi les enfants et qu'ils devaient mettre à mort ceux qui avaient atteint la puberté, pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus adultes. Ils ne sont plus considérés comme des enfants. La question s'est posée, comment est-ce qu'on sait si cet enfant qui a 12-13 ans est considéré comme un enfant car il n'a pas atteint la puberté, ou bien il est considéré comme un adulte? Et alors on va le traiter comme un adulte, quand bien même il n'aurait que 12-13 ans. Qu'est-ce qu'a fait Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu? Wa dhalika lid-darura. C'était par extrême nécessité, car il n'y avait pas d'autre moyen de le savoir. Il découvrait légèrement le pagne des enfants pour regarder s'ils avaient des poils pubiens. Si le garçon avait des poils pubiens, il lui disait « tu es devenu un homme et on va te traiter comme les hommes qui nous ont combattus ».
Mais si ce n'était pas, s'il n'avait pas de poil pubien, alors il était considéré comme un enfant. Et alors là, il n'était pas mis à mort, il n'était pas combattu. Car c'est les enfants. Et l'islam est une religion qui respecte les enfants. On ne tue pas les enfants, comme le font certains autres fous de Dieu. Donc le premier signe commun aux garçons et aux filles, la poussée des poils pubiens. Les poils pubiens, c'est quoi? C'est les poils qui poussent sous le nombril, vous m'avez compris. Donc à partir du moment où un petit garçon et une petite fille a des poils qui poussent, vous devez lui dire, mon fils, tu es un homme. Maintenant, tu dois prier avec moi. Tu dois jeûner avec moi. Si tu as des biens, sache que tes biens sont soumis à la zakat. Tu devras t'acquitter du pèlerinage lorsque tu en seras capable, etc., etc. D'autres signes aussi prouvent le changement de nature du petit garçon au stade adulte. C'est quoi? C'est la sortie de la semence, le liquide spermatique, le liquide séminal. Lorsque le petit garçon a du sperme qui sort, et généralement les premières fois ça arrive la nuit, votre petit garçon va se réveiller dans son pyjama, dans sa culotte, dans ce que vous voulez. Il va trouver du liquide, il va être apeuré. Dites-lui, voilà, il faut pas avoir honte. Je sais que ça peut être un sujet gênant dans certaines cultures, certains parents n'osent pas, mais à cause de cette timidité, nos enfants finissent par être en état de janaba pendant des années et des années sans jamais s'être purifiés et sans jamais avoir prié. Parce qu'on ne leur a même pas dit, mon fils, maintenant tu es obligé de prier. Tu es obligé d'assister au Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est une obligation pour les hommes. Tu es devenu un homme, mon fils, quand bien même tu n'as que 12 ans. Donc, la sortie du liquide séminal, le sperme, c'est une indication pour le garçon qu'il est devenu un homme. Et pour la femme, comme l'a dit le frère, c'est l'écoulement des règles. Lorsque la petite fille voit l'écoulement du sang, qu'elle ait 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il faut qu'elle comprenne que règle égale, je suis devenue une femme. Donc après mes règles, qu'est-ce que je fais? Obligatoirement, je me purifie, je prends mon rousl. Et après mon rousl, obligatoirement, je me mets à prier mes 5 prières par jour, comme toutes les autres femmes, parce que je ne suis plus une petite fille. Donc voilà une notion très importante sur Al-Boulour, la puberté. Qu'est-ce qu'implique le fait de franchir le cap de la puberté? Donc, je vous pose maintenant la question. Est-ce que un enfant, tant qu'il n'est pas pubère, il doit quand même prier? Est-ce qu'on a le droit d'obliger nos enfants à prier alors qu'ils ne sont pas encore pubères? Par exemple, moi, mon fils, il a 5 ans. Est-ce que je l'oblige à prier ou je le laisse tranquille? Qu'est-ce que je fais? On lui apprend dès 5 ans? 6 ans? Ça va? Tu l'apprends, mais avec modération. Il n'est pas obligé, donc il faut faire d'une manière pour qu'il aime la chose. Même à 5 ans. Même à 5 ans. Et toi, tu disais quoi, Ismaël? Il y a un hadith qui dit qu'à partir de 7 ans, il Ouais. faut inculquer la salat à l'enfant. Non. Et s'il ne veut pas, il faut même pousser un petit peu. À 7 ans, on le frappe? Non, non, J'aimerais pas être ton fils, hein. non. Il commence à nous la sonner. 7 et 10 ans. 7 ans, il commence à 10 ans qu'il frappe. Ahsanta. Ça y est, on a eu la réponse la plus précise. Jazakumullahu khayran. Alors, le cheikh nous dit Ghayra annahu, yani as-sabi, يؤمر بها يعني بالصلاة ويصليها استحبابا لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. ما معنى وفرقوا بينهم في المضاجع؟ في النوم، في غرفة النوم يعني لكل غرفة هكذا. دون لي لي في السراير يعني. نعم احسنت واصبت. Alors le cheikh nous. Alors j'ai posé la question, je récapitule tout en français. J'ai posé la question, à partir de quand un enfant peut-il se mettre à prier et à partir de quand nous, les tuteurs, nous pouvons éventuellement enjoindre à nos enfants la prière. Est-ce que mon fils qui a 5 ans, je suis tenu de lui apprendre la prière ou je le laisse tranquille? Il y a un hadith qui répond à cette question. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit
ordonnez, et ouvrez grand vos oreilles, le prophète a bien dit mourou, ordonnez. Il n'a pas dit soyez cool, soyez laxiste. Ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils ont atteint 7 ans. 7 ans solaires ou 7 ans lunaires? As-sanawat tu'tabaru bis-sanawat ash-shamsiyya am al-qamariyya fi l'islam? Shamsiyya, qamariyya, najmiyya, c'est quoi? Sachez-le, c'est une règle, mes frères. C'est pareil pour la zakat. Hakada tuhsabu az-zakat bil-sanawat al-qamariyya. En islam, notre âge, moi par exemple j'ai 37 ans, mais en islam, moi j'ai 36 ans en français, parce que je suis né en 83, j'ai 36 ans. Mais en islam, j'ai passé les 37 ans. Il y a une petite différence dans le nombre d'années solaires et lunaires. Pourquoi? Parce que les années solaires contiennent 365 jours en général, alors que les années lunaires en contiennent 10 jours de moins. Et c'est pour ça que vous verrez que chaque année qui avance dans le calendrier grégorien, le calendrier français, vous trouverez que son équivalent dans le calendrier lunaire, le calendrier islamique, il régresse de 10 jours à chaque fois. C'est pour ça que chaque année, le mois de Ramadan recule de 10 jours à chaque fois. Donc tous les 3 ans, on a perdu un mois. Donc tous les 30 ans, on a perdu 10 mois, pratiquement une année. Donc que les gens qui ont la trentaine sachent que il faut qu'ils se rajoutent une année de plus dans l'année, pour les comptes des années lunaires. Et donc en islam, on travaille avec les années lunaires. Lorsqu'on doit sortir sa zakat, ce n'est pas, on ne regarde pas l'année solaire qui s'est écoulée sur un bien, c'est-à-dire 365 jours. Non, on regarde l'année lunaire, c'est-à-dire 12 mois lunaires. Et de la même façon, on va ordonner à son enfant de prier lorsqu'il aura atteint 7 années lunaires. Donc ça arrivera un tout petit peu avant ces 7 ans, selon le calendrier grégorien, européen et occidental. Ordonner, c'est-à-dire que on l'a d'abord, évidemment, on lui apprend la prière. Et avant de lui apprendre la prière, on lui apprend les ablutions. J'espère que tout le monde avait pris de grosses notes lorsqu'on a étudié les ablutions. Donc on lui apprend les ablutions, on lui apprend la prière, on lui apprend satr al-awra, cacher la nudité, et ça, inshallah, on va le développer dans la suite du cours. Donc on lui apprend à faire la prière afin qu'il se mette à faire la prière. S'il l'a fait tout seul, c'est bien. S'il est pris de paresse, on le motive, on le booste, on est à ses côtés. Mais s'il délaisse la prière, on ne le frappe pas. On ne le corrige pas, on ne le prive pas de danette, on ne le prive pas de ceci et de cela. On ne va pas le punir, alors qu'on le rappelle, il n'a pas encore atteint la puberté. C'est juste un entraînement, tadribun, innama huwa tadrib. Ce n'est pas une obligation, lam yukallaf ba'd. Il n'est pas encore tenu responsable de ses actes et ses agissements. Rufi'a al-qalam 'an as-sabi hatta yahtalim, wa hadha as-sabi lam yahtalim ba'd. Ce petit garçon n'a pas encore atteint la puberté, on ne doit pas sévir contre lui. Mais le messager d'Allah a dit « Et frappez-les lorsqu'ils ont atteint les 10 ans ». Alors, attention mes frères, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas. Ils croient que frapper son enfant à 10 ans parce qu'il a délaissé sa prière, ça veut dire le battre avec une ceinture ou un bâton. C'est pas ça frapper-les. C'est corriger son enfant d'une correction qui ne laissera aucune plaie, aucune trace, aucune cicatrice, mais qui lui fasse ressentir votre sévère réprobation et que vous êtes en colère contre votre enfant. Mais surtout, mes frères, ça c'est un conseil que je vous donne. Celui, et wallahi, je ne me place absolument pas au-dessus de vous et je ne prétends pas avoir atteint ce niveau d'ihsan dans at-tarbiya, ce niveau d'excellence dans l'éducation de mes enfants. Mais si on savait éduquer nos enfants correctement, en leur expliquant qui est leur Seigneur depuis tout petit, quelle est l'importance de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'a créé mon fils, c'est lui qui chaque jour assure ta subsistance. J'ai perdu mon travail depuis une année et regarde encore une fois, Allah azza wa jal nous donne de quoi manger, de quoi nous vêtir, nous a donné un toit sur la tête alors que d'autres personnes vivent dehors sous le froid. Si vous placez dans le cœur de vos enfants l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'importance d'Allah et l'importance de son messager et l'importance de la religion, vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de frapper, ne serait-ce qu'une petite frappe, une petite correction de vos enfants, vous n'en aurez même pas besoin.
car à 10 ans d'eux-mêmes ils prieront. Peut-être même qu'à 10 ans, c'est eux qui vous réveilleront pour le fajr. Hey, papa, il est 6h30, tu t'es oublié. Donc mes frères, at-tarbiya al-hasana hiya halu kulli al-mushkila. La bonne éducation de nos enfants, wallahi, elle peut être la solution à un nombre intarissable de nos fléaux et de nos problèmes. Quand on a nos enfants qui dealent du shit dehors, qui font des qui nos filles qui se retrouvent enceintes à 14-15 ans, c'est de la faute de qui en premier? C'est de notre faute. Il ne faut pas chercher le voisin. Il ne faut pas chercher, c'est parce que c'est la faute de Netflix, c'est la faute de la télé, c'est les séries télé-réalité qu'on voit en boucle à la télé où tout le monde est toujours à moitié luxe. Non, c'est de ta faute, Harry. C'est de ma faute, c'est de ta faute, ma sœur. On n'a pas éduqué nos enfants. Si on ne les éduque pas, nous, qui est-ce qui va les éduquer? Ben oui, la télé et la rue. Et ne pleurez pas après si vous avez des cas comme on en rencontre malheureusement tous les jours. Donc mes chers frères, c'est un conseil que je m'adresse à moi en premier. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants dans l'amour d'Allah, dans l'amour de son messager et dans le respect de notre religion. Et vous verrez que tout deviendra facile. Tout deviendra facile par la suite. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit ensuite « Et séparez-les dans al-madaji'a ». Je vous ai posé la question, qu'est-ce qu'était Al-Madajir, c'est-à-dire les lits? Il ne convient pas qu'à partir de l'âge de 7 ans, on continue à faire dormir un garçon avec une fille. Quand bien même ils seraient frères et sœurs, quand bien même la chambre est étroite, etc., etc., on ne les laisse pas dans le même lit à partir du moment où ils ont atteint les 7 ans. Mais chacun son lit. Si on n'a pas les moyens de s'acheter deux lits, c'est pas grave, vous investissez dans de bonnes couvertures et ils dorment par terre sur la couverture ou sur un matelas, mais ne les laissez pas dormir dans le même lit. Ainsi l'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième condition, qui est une condition très importante, sur laquelle on m'a à plusieurs reprises posé des questions étonnantes. À plusieurs reprises, on m'a dit... Voilà, moi, je commence le boulot à 5h du matin. Le fajr est à 6h30. Est-ce que je peux prier mon fajr avant d'aller au boulot à 5h du matin? On ne peut pas faire ceci. Pourquoi? En vertu de la quatrième condition qui rend la prière obligatoire, c'est quoi? Duhul waqtiha. L'entrée du temps de la prière. Tant que la prière n'est pas rentrée dans son temps, tu n'es pas obligé de la prier. Là, tout de suite, on n'est pas obligé de prier l'Aïcha. Pourquoi? Parce que son temps n'est pas encore entré. Donc le shirk nous dit « Fala tajibu salatun qabla dukhuli waqtiha li qawlihi subhanahu wa ta'ala inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta ay dhata waqtin muhaddadin wa li anna Jibril wa hadha hadithun huwa أدل وأبين حديث ودليل في تبيين وتوضيح أوقات الصلوات وأنا سألتكم عن وقت الظهر وكدت أن تفشلوا جميعا إن لم تكن فشلتم جميعا فهذا الحديث جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حافظوه ولو بالفرنسية ولكن لا بد أن يكون بين أعينكم دائما إذا صدف أنكم في الصحراء مثلا لم يكن لديكم ساعة ولا توقيت ولا كالندري تقويم هكذا لابد أن تعلموا متى يدخل وقت الظهر متى يدخل وقت العصر متى يدخل وقت المغرب متى يدخل وقت العشاء متى يدخل وقت الفجر. D'ailleurs, on va poser la question, inshallah, juste avant de lire ce hadith. Le cheikh nous dit, donc la quatrième condition qui rend la prière obligatoire, c'est l'entrée de son temps. Car la prière n'est pas obligatoire avant l'entrée de son temps. Et ceci en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit dans le Coran, « Certes, la prière est sur les croyants une prescription mawkota, c'est-à-dire à des temps bien déterminés, à des temps bien définis. » Et en vertu du hadith de Jibril, qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux cinq temps de la prière,
deux jours successifs pour lui indiquer le début du temps de telle prière et la fin du temps de telle prière. Alors, moi, je vais vous poser la question justement sur les cinq temps de ces cinq prières pour voir si on s'en sort plus ou moins. Puisque la semaine dernière, je vous ai parlé du temps du Vohr et vous vous êtes tous trompés, mais ce n'est absolument pas un reproche. On est là pour apprendre. On n'est pas né alim, on n'est pas né savant. Moi-même, j'ai dû apprendre pour savoir tout ça. Je ne suis pas en train de faire le fanfaron. Avant, j'étais comme vous et peut-être même encore plus égaré que vous. Je ne dis pas que vous êtes égaré, hein. Ne me comprenez surtout pas l'envers. Mais moi, personnellement, en tout cas, j'étais égaré. J'étais égaré. Allah m'a sorti de cet égarement, walhamdoulilah. Vous, vous n'êtes pas égaré, mais on a tous besoin d'apprendre. On a tous besoin, on l'a dit dans la khutba, wajibun alayna an natlub al-ilm wa natafaqqaha fid-din. Et pourquoi j'aime vous poser des questions, mes frères? Est-ce que c'est pour vous humilier, pour vous piéger? C'est tout le contraire. C'est shafaqatan alaykum wa mahabbatan lakum wa dhalika ba'da tajribati ana wa tajribati al-ulama. Qalu idha su'ila wa ana jarabtuhu bi nafsi. Idha su'ila al-'abd, idha su'ila al-akh عن سؤال لم يحسن جوابها فأخطأ ثم علم فكأنه نقش هذا الجواب في الحجر أو في قلبه. Pourquoi, mes frères, j'aime beaucoup vous poser des questions? Ce n'est absolument pas pour vous gêner, vous mettre dans l'embarras, vous êtes tous là, vous regardez, hein, il nous prend pour des ânes et lui il se prend pour un alim. C'est pas du tout pour ça, au contraire. C'est parce que je vous aime et que je veux le bien pour vous et parce que j'ai remarqué personnellement, et ainsi l'ont dit les savants, le fait de poser des questions, le fait de procéder à des questions-réponses, c'est l'un des meilleurs moyens pour graver la science dans la poitrine. Moi, combien de fois on m'a posé une question à laquelle je n'ai pas su répondre? J'ai donc cherché la réponse, depuis je m'en souviens. Je m'en souviens parce que pourquoi cet incident m'a marqué, j'ai pas su répondre, j'ai dû chercher et la réponse maintenant elle est gravée. Pareil pour les examens, tu tombes à un examen, tu connais pas la réponse, tu rentres chez toi, tu étudies pour connaître la réponse. Et comme ça tu apprends et la réponse est gravée en toi. Mais si on ne vous pose pas de questions-réponses, on blablate pendant une heure, on fait un cours d'une heure et demie, d'ailleurs... Je voulais vous poser la question, est-ce que vous voulez qu'on fasse un imtihan, mais je vais l'aborder plus tard, bismillah, si je l'oublie, rappelez-moi. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un examen pour plus tard? Si le shir, je ne dis pas que je suis un shir, moi je suis un frère comme vous, mais si le shir ou le frère fait son cours pendant une heure et demie, il y a de grandes chances que vous en ressortiez sans beaucoup de ma'loumat, sans beaucoup de connaissances. Et n'est-il pas vrai que c'est la même chose pour la khutba? Combien d'entre vous sortent de la khutba sans avoir rien retenu? Qui parmi vous pourrait me citer tous les signes du Dajjal qu'on a évoqués dans la khutba? Peut-être 1, 2, 3. Le reste, je me rappelle d'un, deux, le troisième, j'ai oublié déjà ce qu'il a dit. Mais lorsqu'on procède à des questions-réponses, ça motive les gens, ça les force à réfléchir. Et lorsqu'ils n'ont pas la réponse, tout de suite, lorsqu'ils entendent la réponse, c'est gravé dans l'esprit, c'est gravé dans le cœur. Et moi, je l'ai expérimenté de moi-même. Et les chouyoukh, les ulama, ont dit que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre la science. C'est de procéder à des questions-réponses. Donc faites-le entre vous, faites-le avec vos épouses, faites-le avec vos enfants, testez-les. Oh mon fils, oh ma femme, est-ce que tu sais quelle est ta aura? Est-ce que tu sais ce que tu dois couvrir dans la salat? Elle va te dire, ben oui, c'est tout mon corps sauf les mains et mon visage et sauf mes pieds. Tu vas lui dire, Artarti, tu t'es trompé. Même tes pieds, tu dois les couvrir. Et vous allez voir, à partir de ce moment-là, plus jamais, vous ne la verrez prier pieds nus. Donc voilà pourquoi j'aime vous faire des questions-réponses. Donc je vous pose la... et donc je voulais vous proposer quelque chose. Est-ce que vous avez envie? Si vous n'avez pas envie, moi vous me ferez économiser du temps, je m'en fiche, c'est du temps que je vous donne. Est-ce que vous avez envie que par exemple mercredi entre le Maghrib et l'Aïcha, si ça vous convient comme rendez-vous, sinon on essaie de trouver un autre rendez-vous, je vous fasse justement une série de questions-réponses sur tout ce qu'on a étudié précédemment? Que ce soit dans le chapitre de la croyance ou que ce soit dans tout le chapitre de la purification, qui comprenait al-wudu, les ablutions, l'essuyage sur les bottines, les règles et tout ça. Est-ce que, à lever de main, est-ce que ça vous intéresse ou ça ne vous intéresse pas? Ouais, mais c'est à l'écrit ou à l'oral? Non, à l'oral.
À l'oral, je pose des questions, vous levez la main et chacun essaie de répondre et on teste nos connaissances comme ça. Si ça vous intéresse, on le fait. Si ça vous ne vous intéresse pas, vous me faites gagner une heure de mon temps, là, il n'y a pas de souci. Donc, à main levée, et moi je suis la majorité, s'il n'y a pas beaucoup de mains, je vous dis la vérité, ça ne va pas me motiver parce que les questions, je vais les préparer chez moi. Donc, c'est du temps que je vous donne. Donc, ne me faites pas perdre mon temps. 1, 2, 3, ce sera en arabe et en français. Bon, alors je le dis en arabe parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas compris. Man yuridu an aj'ala lakum imtihanan fi ad-durus as-sabiqa wa dhalika mathalan fi maw'idi yawm al-arba'a bayn al-maghrib wa al-'isha natasa'al aw as'alukum as'ila 'idda 'an kulli al-mawdu'at allati darasnaha min qabl fi al-'aqida wa fi al-fiqh. في العقيدة درسنا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والرسول والكتب إلى آخر ذلك وفي الفقه درسنا الوضوء والغوص والمسح على الخفين والحيض والنفاس كل ذلك فمن أحب أن أجعل لكم امتحانا شفويا يوم الأربعاء مثلا بين المغرب والعشاء فليرفع يده. Donc, qui est intéressé par cela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bon, pile poil la moitié, on va dire. Alors, je fais quoi? Eh ben, on le fera, Inch'Allah, pour faire plaisir à ceux qui le veulent, Inch'Allah. Mercredi, ça vous va? Entre le Maghrib et l'Aïcha? El Qura. Les Qura du Coran me donnent la permission d'empiéter sur le majlis. D'accord. Jazakumullahu khair. Bah alors on le fait mercredi prochain, d'accord. Donc vous avez que 3 jours pour réviser. Alors justement, je vous pose une question, mais là on l'a pas étudié et c'est pas grave si vous ne savez pas. Mais si je pose la question, c'est parce que après biznillah, vous le saurez, vous n'oublierez pas. Quels sont les 5 temps des 5 prières? Quel est le temps du Fajr? C'est quoi le temps du Fajr? C'est quand mon réveil il sonne à 8 heures. C'est les 6 minutes de la... Avant le lever du soleil, t'es large, Akhi. Hein? Parce que si tu me dis je umsiku an al-ta'am qabla shuruq al-shams, c'est. Naam. Qui a. Hein? Inda al-shafaq? Ouais, mais ça s'appelle pas Shafaq. Il y a d'autres réponses que ça? Voilà. Le lever du le temps du Fajr, ou le temps en français, ça s'appelle l'aube. C'est quoi l'entrée de l'aube? Allah Azza wa Jalla nous l'a dit, et on l'a lu ce verset, je crois, il y a quelques prières. Wa kulu wa shrabu. حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. Allah Azza wa Jal nous dit, en parlant du jeûne, vous pouvez manger, vous pouvez boire jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc du fil, c'est-à-dire le fil blanc du jour, du fil noir de la nuit, qui est le fil du Fajr. Ensuite, accomplissez votre jeûne jusqu'à la nuit tombée. Donc l'entrée du Fajr, c'est lorsqu'un très léger fil blanc commence à poindre à l'horizon. Et notamment, on le regarde où le Fajr? On le regarde du côté de l'Occident, du côté de l'Orient, du côté de la Kaaba, de la Qibla. De quel côté? La Qibla? Le soleil se lève au-dessus de la Qibla. La Kaaba, c'est pareil. Hein? La Qibla, il y a la Kaaba. Hein? Voilà. Le soleil ne se lève pas au-dessus de la Kaaba, il se lève au-dessus. On dit le soleil se lève à l'est. Et c'est pour ça que certains disent le soleil se lève en Chine. Parce que la Chine, c'est l'extrême est que l'on connaît. Donc lorsque je veux regarder le Fajr, je dis ça parce qu'il y a un frère mesquine, il était dans la campagne, il m'a raconté ça. Il m'a dit, je guettais le soleil à ma fenêtre et je lui ai dit, t'étais dans quelle direction? Il me disait, j'étais en direction de l'Occident, c'est-à-dire comment ça s'appelle, Al-Gharb. Je lui ai dit, tu allais l'attendre longtemps, ton Fajr, si tu regardais par là. Parce qu'il s'était levé très certainement dans ton dos depuis longtemps, Miskin. Donc, c'est important de savoir, lorsque vous voulez guetter
l'aube, il faut la guetter du côté est, puisque le soleil se lève à l'est. Si vous la guettez soit au nord, soit au sud, soit à l'ouest, vous allez la voir, l'aube, mais après un long laps de temps. Ensuite, quel est le temps du dhohr? Normalement, vous avez tous la bonne réponse parce qu'on l'a évoqué. Oh, Ismaël, dernier de la classe aujourd'hui. Hein? Moi, je veux une définition précise. Non. Hein? Ah, Ahsanta. Ça y est, on a notre premier de la classe aujourd'hui. Wasmuka, akhi. Ali. L'entrée du dhohr, on l'expliquait la semaine dernière. Vous êtes tous trompés. Et là, vous me faites mentir parce que je vous ai dit quand on pose des questions-réponses, après on se trompe plus et on n'oublie plus. L'entrée du dhohr, c'est Idha zalat ash-shams. On a dit le soleil se lève de l'est jusqu'à atteindre son apogée, le point le plus haut. Et lorsque le soleil est à son point le plus haut, on n'a pas le droit de prier pendant ce moment-là. Et en général, ça dure l'équivalent de 5 minutes. Et lorsque le soleil se remet à descendre en direction de l'ouest, alors c'est ça le début du dhohr, c'est lorsque le soleil commence à redescendre. C'est ça le début du dhohr. Jusqu'à l'entrée du asr. C'est quoi l'entrée du asr? C'est quoi l'heure du asr? Il a dit c'est au moment où on a le soleil au niveau des sourcils. Oh, perso, j'ai jamais entendu ça honnêtement. Dans les livres de fiqh, j'ai jamais lu ça. Est-ce que quelqu'un a une définition moins cocasse? C'est un nombre. Hein? Non. Hein? Non, quand on n'a plus son ombre, c'est justement l'entrée du dhohr. Parce que quand le soleil est dans le zénith, on n'a quasiment plus d'ombre parce qu'il est tout au-dessus. Donc l'ombre, elle est toute petite. C'est quand l'entrée du asr? Il y a un frère qui était là la semaine dernière, mais je ne le vois pas, et il m'avait donné en fait la fin du asr. Il s'était trompé parce que ce qu'il disait, c'était la fin du asr. L'entrée du asr, qui correspond très logiquement à la fin du dhohr, c'est lorsque l'ombre de chaque chose est égale à la taille de cette chose. Vous prenez un bâton, c'est pour ça que je vous dis que c'est important, parce que dans le désert, par exemple, vous n'avez pas de calendrier, vous n'avez pas de monde, vous n'avez rien, vous plantez une canne, un bâton. Lorsque le soleil est à son zénith, comme on vient de le voir, il y a un tout petit bout d'ombre, parce que lorsque le soleil nous tape en plein au-dessus, eh bien, ça ne laisse pas la place à l'ombre. Il y a par exemple 2-3 cm d'ombre. Vous comptez, vous mémorisez ces centimètres d'ombre au zénith, lorsque le soleil est tout en haut. Et lorsque ton ombre sera égale à ta taille, ou bien l'ombre du bâton que tu as planté, elle sera égale à la taille de ce bâton plus les 3 cm qu'il y avait au zénith, c'est ça le temps du asr. Et quand est-ce que se finit le temps du asr? Je l'ai entendu la réponse. Mais c'était une autre question. Ouais, et ça correspond à quoi? Ouais. Et techniquement parlant, ça correspond justement à la taille de 2 fois l'ombre. Plutôt, lorsque l'ombre fait 2 fois la taille de la canne qu'on a plantée. Donc on a dit le début du dhohr, c'est quand l'ombre est égale à la taille de ce que tu as planté. Et lorsque l'ombre fait 2 fois la taille, ça correspond à la fin du asr. À la fin du waqtun ikhtiyari, c'est le temps préférable et nécessaire pour prier le asr. Parce que la fin du temps du asr, c'est le début du temps du maghrib. Mais comme vous le savez, je l'espère, on n'a pas le droit de prier le asr après un certain temps. C'est quoi ce certain temps? C'est ce qu'on vient de voir, c'est lorsque l'ombre fait 2 fois la taille de l'objet planté. Ou comme l'ont dit certains frères, lorsque le soleil commence à rougir. Car normalement, le soleil est jaune. Mais vous trouverez qu'à la fin du asr, le soleil commence à rougir parce qu'il commence à se rapprocher du temps du maghrib. Ce temps-là, lorsque l'ombre fait 2 fois la taille de l'objet planté, lorsque votre ombre à vous fait 2 fois votre taille, lorsque le soleil commence à rougir, c'est le temps du asr darouri. C'est-à-dire, j'ai le droit de prier durant ce temps-là seulement en cas de baroura, seulement en cas de nécessité. Par exemple, la sœur était impure et elle avait ses règles. Et elle ne s'est purifiée que pendant ce temps-là. Donc, ce n'est pas grave. Toi, tu étais bloqué je ne sais où. Tu ne pouvais absolument pas sortir prier. Tu étais bloqué. Ma'alish, tu peux prier dans ce temps-là. Mais celui qui n'a aucune excuse
il n'a pas le droit de retarder l'accomplissement de la prière du Asr à ce temps du Asr qui est lorsque le soleil commence à rougir et que l'ombre de chaque chose a atteint deux fois sa taille. Donc, on en vient à la fin extrême et nécessaire du temps du Asr. C'est quoi? C'est le début du temps du Maghrib. C'est quoi le début du temps du Maghrib? Je pense que tout le monde le sait, normalement. Naam. C'est le coucher du soleil. Lorsque le soleil s'est couché. Et c'est quoi le coucher du soleil? Ça, c'est l'horizon. Ça, c'est le soleil. Lorsque la partie basse du soleil tombe sous l'horizon, c'est ça le début du Maghrib? Ou c'est lorsque le soleil est arrivé à moitié sous l'horizon? Ou c'est lorsque le soleil s'est complètement couché sous l'horizon? À moitié? Complètement? Il y a d'autres réponses? C'est quoi Al-Hajj? La moitié? Ça veut dire quoi Ghouroub? Ça veut dire quoi en arabe Ghouroub? Gharaba, ça veut dire quoi? Hein? Gharaba, ça veut dire s'absenter, disparaître. Ghouroub al-Shams, c'est la disparition du soleil. Si vous me dites Nisf al-Shams, An yaghruba Nisf al-Shams, falam taghroub al-Shams, moi je peux vous dire, mais il n'a pas disparu le soleil, on en voit encore. Quand bien même on ne verrait qu'une extrême partie du disque supérieur, du haut du soleil. Mais moi, je vais vous dire, non, il n'a pas encore disparu. Moi, je le vois toujours, le soleil. Donc, c'est quand le temps du Maghrib? C'est lorsque le soleil a complètement disparu sous l'horizon et qu'on ne le voit plus du tout, même pas un petit bout. Et c'est quand la fin du Maghrib? Et donc, le début du Isha. 15 minutes après ça. 15 minutes Non. Ah oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? C'est quand la fin du Maghrib? Bon, on ne va pas parler de la fin du Maghrib. C'est quand le début du Isha? Naam, Riyab ou Shafaq al-Ahmar. وعند أبي حنيفة غياب الشفق الأبيض وهو بعد غياب الشفق الأحمر. Alors, quand est-ce que c'est le début, la fin, pardon, du temps du Maghrib? Eh bien, c'est selon la majorité des savants, lors du début du temps du Isha. C'est quoi le début du Isha? C'est lorsqu'a disparu le crépuscule rouge. C'est quoi le crépuscule rouge? Lorsque l'entrée du Maghreb est arrivée, c'est-à-dire que le soleil s'est complètement, et on dit bien complètement, lorsqu'il a complètement disparu sous l'horizon. Rabat al-Shams tahta al-ufuq, kamilatan. À ce moment-là, il va persister des lueurs rouges dans le ciel. C'est ce que l'on voit lorsqu'on va partir se rendre au Tarawih. Certains voient des lueurs rouges lorsqu'ils se rendent avant l'entrée du temps du Isha. Et c'est normal de voir ces lueurs rouges. L'entrée du temps du Isha, c'est lorsque ces lueurs rouges vont disparaître dans l'horizon. Et là, de quel côté sont ces lueurs rouges? Ouais, vous êtes tous d'accord? Personne ne me dit du côté de la Kaaba cette fois-ci. On est tous d'accord. Du côté ouest, puisque le soleil s'est levé à l'est, logiquement le soleil se couche à l'ouest, donc al-gharb, donc les lueurs rouges, al-shafaq al-ahmar, fil-gharb, fi jihati al-gharb. Lorsque ces lueurs rouges ont complètement disparu, c'est là l'entrée du temps du Isha. Chez Abu Hanifa, chez les Hanafites, on va trouver que le temps du Isha est encore un peu plus reculé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit l'entrée du temps du Isha, c'est pas lorsque les lueurs rouges disparaissent à Shafaq al-Ahmar, wa huwa 'inda ghiyab al-Shafaq al-Abyad, wa huwa ba'da al-Shafaq al-Ahmar. Abu Hanifa, il a dit l'entrée du Isha, c'est lors de la disparition des lueurs blanches. Et les lueurs blanches, elles disparaissent bien après les lueurs rouges. D'abord, il y a la disparition des lueurs rouges. Et ensuite, vous allez voir que dans le ciel, au niveau de l'ouest, il y a encore des lueurs blanches. Alors maintenant, je vous dis tout ça parce que vous le sachiez, c'est important de savoir ces signes de l'entrée de l'heure. Mais de nos jours, c'est devenu un casse-tête pas possible. À cause de la pollution lumineuse, à cause de tous les immeubles et tous les gratte-ciels qu'on a en face de nous, c'est devenu extrêmement difficile de distinguer que ce soit le Fajr ou que ce soit l'Aïcha. Donc on en revient au temps du Maghrib. On a dit le temps du Maghrib, c'est le début du Aïcha, mais tous les savants ne sont pas d'accord avec ça. Et c'est pour ça que le frère Ismaïl, il nous a donné une autre réponse, et c'est notamment le madhhab de l'imam Malik,
dont la plupart d'entre vous se réclament. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Malik? C'est quoi pour lui, tu nous le rappelles, Ismaïl? C'était quoi la fin du temps du Maghrib? Il faut prendre ton petit déjeuner le dimanche, Ismaïl, pour que tu sois performant en cours là. Allez Youssef, là, rattrape le coup là. 15 minutes. Il n'y a pas d'autre réponse que ça? Une réponse un peu plus précise. Il n'y a pas de Maliki parmi vous? Vous n'avez jamais entendu dans un cours au bled, ils ont dit quoi les Malikites? Ils ont dit Waqtul Maghrib yamtaddu ila qadari ma yas'u al-'abdu al-wudu wa salatu thalath rak'at. Bas. Wa ba'da dhalika at-taqdir fi al-waqt intaha waqtul maghrib. Fa idha sallaita ba'da hadha al-waqt fa hadhihi as-salat hiya qada wa laysa ada wa athimta. فيقدر أخونا بخمسة عشر دقيقة وقد يقدره البعض الآخر بعشر دقائق قد يقدره البعض الآخر بعشرين يعني التعريف الملكي هو قدر ما تتوضأ وتصلي المغرب. Donc les Malikites, ils ont dit le temps du Maghrib, il ne s'étend absolument pas à l'entrée du temps du Aïcha. Mais le temps du Maghrib, il est super court. Et il correspond à quoi? Ils ont dit, il correspond au temps qu'il te faut pour faire parfaitement tes ablutions, puis de prier le Maghrib, 3 raka'a. C'est ça le temps du Maghrib chez eux. Si tu es donc, il y en a qui vont dire, ben, ce temps-là, ça correspond à 15 minutes, mais il y en a qui vont dire, ben, moi, ça correspond à 10 minutes, parce que je fais ma prière très très rapidement. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, ça me prend 20 minutes. Al-Muhim, c'est le temps de faire tes ablutions dès l'entrée du temps du Maghrib et de prier ton Maghrib. Après ce temps-là, ils ont dit ce n'est plus le temps du Maghrib. Si tu pries après ce temps-là, tu n'as pas accompli ta prière, tu es en train de la rattraper. Parce que ta prière n'est pas considérée comme un ada, elle n'est pas considérée comme étant effectuée dans ce temps. Et on va voir pourquoi l'avis de l'imam Malik est ainsi. Et enfin, quelle est la fin du temps du Aïcha? Quand est-ce que se termine le temps du Aïcha? Avant le Fajr? Il n'y a pas d'autres paroles? La moitié de la nuit? En fait, de la même façon qu'on a vu que le temps du Asr était divisé en un temps qu'on appelle Waqtun Ikhtiyari, c'est-à-dire un temps dans lequel il est nécessaire de prier si on n'a pas d'excuses, et un temps barouri, c'est-à-dire un temps dans lequel on ne peut prier que si on a, que sous extrême nécessité, que parce qu'on a une excuse valable, eh bien le Aïcha, c'est la même chose. Il a deux temps, et j'ai entendu les deux temps. Il y a un temps irtiari, c'est-à-dire le temps durant lequel on doit nécessairement prier le Aïcha sans excuse valable. Et si tu as une excuse valable qui fait que tu n'as pas pu prier le Aïcha dans ce temps-là, alors tu peux le prier dans le deuxième temps. Ce premier temps du Aïcha, il s'étend donc du début du Aïcha. On a dit c'était quoi? Le début du temps du Aïcha? C'est quoi? Voilà. Alhamdoulilah, vous m'avez fait peur. N'hésitez pas à prendre des notes. Hein. Disparition des lueurs rouges. Selon la majorité des savants, selon Abi Hanifa, c'est les lueurs blanches. La majorité des savants voient, c'est la disparition des lueurs rouges dans le ciel. Ça, c'est l'entrée du Aïcha. Et il s'étend soit selon la moitié de la nuit, Nisful Layl, soit selon Thuluthul Layl, Ikhtalaf al-Ulama. Ça, c'est le temps Ikhtiyari. On doit absolument ne pas dépasser ce temps sans excuse légale. Mais si on a une bonne excuse, on était très malade, on était coincé dans le métro, impossible d'en sortir, etc. On peut alors faire dépasser ce temps du Aïcha de la moitié de la nuit jusqu'à quoi? Jusqu'au Fajr, jusqu'à l'entrée de l'heure du Fajr. Donc on ne prie pas lors de l'entrée du Fajr, on prie jusqu'à la limite, c'est-à-dire au moins 10 minutes avant l'entrée du Fajr pour avoir le temps de prier l'Aïcha. Parce que si je fais mon takbir, par exemple, une minute avant l'entrée du Fajr, je suis pécheur. Pourquoi? Parce que la plupart de ma prière, elle aura eu lieu quand? Durant le temps du Aïcha ou durant le temps du Fajr? Si je fais le takbir une minute avant l'entrée du Fajr, les 9 dixièmes de ta prière auront eu lieu pendant le temps du Fajr. Donc là, tu es pécheur. Donc le temps du Aïcha, préférentiellement,
c'est du début du Isha jusqu'à la moitié de la nuit ou le tiers de la nuit selon les savants, selon certains savants. Et le temps exceptionnel du Isha, il s'étend effectivement jusqu'à avant le temps du Fajr. Il me semble que j'avais une question importante à vous poser. Ah, comment calcule-t-on la moitié de la nuit? C'est important aussi de le savoir, cette question. C'est quoi la moitié de la nuit? Et là, je vais tous vous perdre si je vous dis en arabe, « Nakulu mata muntasaf il-layl ».« Mata muntasaf il-layl ». Comment on traduit grossièrement « muntasaf il-layl » en français? À partir du coucher du soleil jusqu'à minuit. Qui a dit minuit? Qui a étudié l'arabia bayna yadeik? Muntasaf al-layl, on le traduit grossièrement en français par minuit. Mais c'est une erreur, une monumentale erreur. Et malheureusement, dans certains sites francophones, c'est pour ça que je vous dis toujours, ne perdez pas votre temps sur les sites francophones, mais étudiez la langue arabe pour passer ensuite directement aux savants. Parce qu'il y a des sites francophones, c'est une catastrophe. Ils vous traduisent des hadiths, ils perdent votre religion. Et ils vont traduire muntasaf al-layl par minuit. Je l'ai lu de mes propres yeux. C'est une catastrophe. C'est pas ça le temps du Isha. Puisque en été, notre Isha, il commence déjà à 23h30. Ça voudrait dire qu'en été, on n'a qu'une demi-heure pour prier le Isha de 23h30 jusqu'à minuit. C'est pas du tout ça, la moitié de la nuit. Alors, qui sait comment calculer la moitié de la nuit? Qu'est-ce que la moitié de la nuit? Non. Non, moi je veux une méthode de calcul. Ah ça, oh là 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 là, notre frère Ali là, il a mangé un lion. Alors la méthode de calcul, elle est très simple. C'est juste qu'il faut la connaître. Tu as dit quoi, Ali, déjà? Voilà, parce qu'il y en a qui croient que la moitié de la nuit, elle se calcule à partir du Isha. Ils prennent l'heure du Isha, alors admettons qu'elle soit à 20h pour simplifier les calculs. Ils vont dire le Isha il est à 20h, le Fajr il est à 6h pour simplifier les calculs. Entre 20h et 6h il y a combien? 10h. T'as dit 14? Smaïl, je vais le faire sortir là. Je vais faire sortir là. Qu'est-ce qu'il est Smaïl aujourd'hui? Il y a quelqu'un qui lui a porté l'œil parce que c'était le premier de la classe. Celui qui lui a porté l'œil, il fait son modo, il prend son rousse et il lui donne de l'eau. Barakallahu fikoum. Ah ouais, non. Non, là, il faut reprendre les cours du CP, là, Ismaïl. Alors, combien ça fait entre 20h et 6h du matin? 10h. La moitié de 10h, c'est quoi? 5h. Donc, je prends 5h après le Isha. Il était à 20h, donc ça correspond à quoi? 5h après 20h? 1h. J'ai cru que j'allais entendre 25h du matin. 1h du matin. Dans notre exemple, c'est ça. Les gens qui croient que c'est le milieu de la nuit. Ils vont dire le milieu de la nuit, c'est 1h du matin. Ça, c'est un calcul complètement biaisé. La nuit en islam, elle commence quand? Elle commence au Isha? Non. Elle commence au Maghreb. On l'a cité dans le verset coranique lorsqu'Allah nous dit « Mangez et buvez et complétez votre jeûne jusqu'à la nuit tombée ». Jusqu'à quand est-ce qu'on doit compléter notre jeûne? Jusqu'au Maghreb ou jusqu'au Isha? Alhamdoulilah, jusqu'au Maghreb, parce qu'en été, on serait mal barré. Donc, comment on effectue nos calculs? À partir du temps du Maghreb jusqu'au temps du Fajr. Donc, si dans mon exemple, le Maghreb, il est à 17h et que mon Fajr, il est à 5h du matin, combien il y a entre 17h et 5h du matin? 12h. Entre 17h de l'après-midi et 5h du matin, 17h, c'est le Maghreb. Al-Fajr, il est à 5h, il y a 12h. Donc, la moitié de la nuit, c'est la moitié de ces 12h, 6h. Donc, on fait 6h après le Maghreb. Donc 17h plus 6, ça fait quoi? 23h. Donc la moitié de la nuit sera à 23h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'aurai pas le droit de prier mon Isha après 23h sans nécessité absolue, sans excuse valable, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Pas parce que je regardais Netflix toute la soirée et que je me suis oublié. Là, tu seras pécheur. Si tu as délaissé ta salat après la moitié de la nuit sans excuse, juste par paresse, par fainéantise, là, tu seras pécheur, mon frère. On l'a dit au tout début, certes, la prière a été prescrite aux croyants en des temps bien déterminés. On ne joue pas avec les temps de la prière, ça vaut pour le Fajr. On ne prie pas son Fajr quand mon réveil y sonne.
peu importe si ça a dépassé le shuruq, le lever du soleil ou je ne sais quoi. Donc, un hadith qui va nous récapituler tous ces temps. Et c'est ce hadith qui est le fondement et la base de ces divers temps des prières. C'est le hadith où le cheikh nous dit « Anna Jibril alayhi salatu wassalam nazala fa'allama an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wassalam awqat as-salat faqad qala lahu qum fasalli fasalla adh-dhuhra hina zalat ash-shams. » Donc je le lis entièrement en arabe, et ensuite je le lis en français pour ne pas perdre le fil. Donc fasalla dhuhra hina mata hina zalat ash-shams ثم جاءه العصر فقال قم فصلي فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال جبريل قم فصلي فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ما معنى وجبت الشمس؟ غربت. ما شاء الله علي، اللهم بارك فيك. حين وجبت الشمس يعني حين غابت الشمس كاملة لا نصفها. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي فصلى العشاء حين غاب الشفق، الشفق الأحمر. ثم جاءه الفجر حين برق الفجر. ما معنى برق؟ يعني حين أضاء الفجر في الأفق. ثم جاءه من الغد، اليوم الذي يلي. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي. ففي اليوم الأول بين جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوقات بداية الصلوات. ثم في اليوم التالي أو اليوم نعم التالي بين له أوقات انتهاء الصلوات. ففي اليوم التالي في الغد جاءه عند ماذا قال؟ ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي فصلى الظهر حين صار ذل كل شيء مثله. وما هذا الوقت؟ ذل كل شيء مثله وقت بداية العصر، يعني صلى الظهر عند آخر وقته، وآخر وقت الظهر هو بداية وقت العصر. ثم جاءه العصر يعني في وقت العصر من اليوم الثاني فقال له قم فصلي فصلى العصر حين صار ذل كل شيء مثليه، مثليه بالمثنى. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، يعني صلى صلاة المغرب في نفس الموعد من اليوم قبله وقتا واحدا. لذلك قال الإمام مالك وقت المغرب وقت واحد لا يسعك إلا الوضوء والصلاة، لا يمتد إلى وقت العشاء إلى غياب الشفق الأحمر. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، وفي رواية ثلث الليل، فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا. ما معنى أسفر جدا؟ ما معنى أسفر؟ وما يسفر؟ الشمس، الشمس تسفر، أو الصبح، الفجر. أسفر الشمس يعني أضاء في الأفق، بين تبين ضوءه. دونك ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصلي فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت، يعني وقت صلواتك يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. C'est un hadith très important que vous devriez écrire et au moins mémoriser par cœur, les rapporter dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans les Sunan de l'imam An-Nasa'i. Alors je ne sais pas si on aura le temps d'aller plus loin parce que ça fait déjà plus d'une heure. Une heure dix, voilà. Alors le hadith de Jibril qui détermine les horaires de prière est ainsi.
Dans l'imam, chez l'imam Ahmed et l'imam An-Nasa'i, on trouve que l'ange, l'archange Gabriel, Jibril, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam au temps du dhuhr. Et il lui a dit, lève-toi et prie ton dhuhr. Et ça correspondait à quoi ce temps-là? Ça a correspondu au temps, pile poil au moment où le soleil s'est mis à décrépir de l'horizon, c'est-à-dire à décliner de l'horizon. Donc on a vu que le soleil montait en partant de l'est, puis il atteint son apogée, son paroxysme, tout en haut du ciel, puis il reprend sa course vers l'ouest en descendant. Donc lorsque le soleil s'est mis à descendre, à décroître, l'ange Gabriel lui a dit « prie ton dhuhr ». Et ce premier jour, l'ange Gabriel est venu montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam le début des cinq temps des cinq prières. Il lui a montré le début des temps des cinq prières. Donc le début du dhuhr, il correspondit à la décrépitude du soleil lorsque le soleil a commencé à décroître en direction de l'ouest. Ensuite, il est venu le trouver au temps du asr. Il lui a dit « lève-toi et prie ». Alors le messager d'Allah a prié son asr lorsque l'ombre de chaque chose était égale à cette chose même. On l'a expliqué, je plante un bâton, si ce bâton fait 30 cm et que l'ombre fait 32 cm, pourquoi? Parce qu'il y avait 2 cm au temps du asr, lorsque le soleil était tout en haut du bâton, la seule petite ombre qui subsistait c'était 2 cm. Donc 30 cm du bâton plus les 2 cm du ras, ça fait 32. Lorsque l'ombre de mon bâton a atteint 32 cm, qu'il est égal à ce bâton, c'est le temps de l'entrée du ras. Ensuite, Jibril est venu le trouver, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au temps du Maghrib. Et lui a dit, lève-toi et prie. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors prié alors que le soleil venait de disparaître sous l'horizon entièrement. Pas la partie basse du soleil, pas la moitié du soleil. Tout le disque solaire avait été sous l'horizon. Donc il n'était plus perceptible à l'œil. Ensuite, le Jibril est venu trouver le prophète au temps du Aïcha. Et il lui a dit, lève-toi et prie. Et alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié son Aïcha alors que le crépuscule rouge, les lueurs rouges qui persistaient depuis le Maghreb avaient complètement disparu. Puis Jibril est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam au temps de l'aube, al-fajr, et lui a dit « lève-toi et prie ». Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié alors que l'aube venait tout juste de poindre. C'est quoi l'aube qui pointe? C'est ce petit fil blanc qui venait tout juste d'apparaître à l'horizon. Alors entre parenthèses, comme l'avait dit le frère Ali, il y a deux phages. Il y a un phage kadhib et un phage sadiq. Et malheureusement, enfin pas malheureusement, mais Allah a fait les choses telles que le phage kadhib apparaît avant le phage sadiq. Et le phage kadhib, c'est un phage qui s'étend dans l'horizon. Il n'est pas très haut, il s'étend dans l'horizon. Et il y a des gens qui, lorsqu'ils voient cette lueur qui commence à apparaître dans tout l'horizon, ils croient que c'est le vrai phage. Ce n'est pas ça le vrai phage. Le vrai phage, c'est un phage qui est plus comme ça, qui monte comme une colonne. Et c'est à ce moment-là qu'on doit réellement prier le phage, pas avant. Mais ça, Inch'Allah, on l'expliquera plus tard, parce que là, on manque de temps. Ensuite, Jibril, après lui avoir éclairci le début et l'entrée des temps des cinq prières, est venu trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour suivant. Et il l'a trouvé au dhuhr et il lui a dit « lève-toi et prie ». Et alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à prier le dhuhr lorsque l'ombre de chaque chose avait atteint la taille de cette chose. Ça correspond à quoi ce temps? Au début du temps du Asr. Donc en fait, Jibril lui a montré que le temps du Asr, du Dhor, pardon, était juste avant l'entrée du temps du Asr. Donc on peut prier éventuellement le Dhor juste avant le temps du Asr. Le temps du Asr, c'est quoi? Lorsque ton ombre est égal à ta taille, grosso modo. Ensuite, Jibril est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de lui faire prier son Asr et lui a dit « lève-toi et prie ». Et alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié son asr quand? Lorsque l'ombre de chaque chose avait atteint deux fois la taille de cette chose. Je plante moi, je mesure 1m77, lorsque mon ombre fait 1m77 x 2, c'est l'extrémité du temps du asr.
je n'ai pas le droit de prier sans raison après ce temps-là. On l'a dit, pour une raison valable, je peux prier jusqu'au temps du Maghrib. Ensuite, le Jibril est venu trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour prier le Maghrib. Mais à quel moment, et c'est là toute la subtilité du madhhab maliki, à quel moment est-ce que Jibril est venu trouver le prophète Mohammed le deuxième jour qui déterminait la fin du temps de chaque prière? Il est venu le trouver pour le Maghreb au même temps qu'il l'a trouvé le jour d'avant. Donc la fin du temps du Maghreb, c'est comme si c'était le même temps que le début du temps du Maghreb. Et c'est pour ça qu'on a vu que l'imam Malik a dit « le temps du Maghreb, il est court ». Il ne s'étend pas jusqu'à la disparition des lueurs rouges. Mais le temps du Maghreb, il correspond juste au temps qu'il te faut pour faire tes ablutions dès l'entrée du temps. Dès que tu entends l'adhan, tu récites l'adhan après le muadhin. Puis tu pars t'ablutionner correctement. Puis tu pries tes trois raka'a. Ça, c'est le temps du Maghreb. Si tu commences tes ablutions après ce temps-là, alors tu es pécheur, selon l'imam Malik. Et son dalil, sa preuve, c'est ce hadith où Jibril n'a pas donné une largesse et une amplitude de temps à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam pour prier son maghrib. Il n'est pas venu le trouver le deuxième jour juste avant le Aïcha. Il est venu le trouver au même jour, au même moment qu'il l'a trouvé le premier jour pour le temps du maghrib, c'est-à-dire lorsque le soleil avait complètement disparu sous l'horizon. Ensuite, Gabriel, Jibril, est venu trouver le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam pour le Aïcha. Il lui a dit « Lève-toi et prie ». Et ça correspondait à quoi? Selon des versions, selon des narrations, ça correspondait à la moitié de la nuit. Souvenez-vous ce qu'on vous a expliqué, comment déterminer la moitié de la nuit. Entre le Maghreb, entre le temps du Maghreb et le temps du Fajr, et je coupe la poire en deux. Et selon certaines versions, c'était « Thuluthul Layl », le tiers de la nuit. Donc les calculs, c'est la même chose. Si vous voulez déterminer la moitié de la nuit ou bien le tiers de la nuit, car certains savants voient qu'on n'a pas le droit de dépasser le tiers de la nuit pour prier son Aïcha sans excuse, vous savez comment calculer maintenant le tiers. Vous prenez le temps du Maghreb, le temps du Fajr, vous calculez combien il y a d'heures et vous divisez par 3 si vous suivez le Madhab qui dit qu'on a le droit de prier le Aïcha uniquement jusqu'au tiers de la nuit et non pas jusqu'à la moitié de la nuit. Et ensuite, il est venu le voir pour la dernière prière, le Fajr. Il lui a dit « Lève-toi et prie ». Et alors, il faisait l'aube, c'était bien propagé dans l'horizon. « Asfara, asfara subh ». Et d'ailleurs, c'est dans le Coran, il y a un verset qui dit « Wa idha subhi asfar ». Lorsque l'aube s'est bien propagée, c'est-à-dire qu'il fait presque jour. Et ce n'est plus les ténèbres, ce n'est plus la pénombre. Parce qu'au début du temps du Fajr, c'est encore les ténèbres. Il fait encore très nuit. À tel point que Aïcha, la mère des croyants, la meilleure épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait rapporté qu'elle faisait la prière du Fajr avec le messager d'Allah dans la mosquée. Et elle disait, nous quittions la prière, nous retournions à nos maisons sans que l'une d'entre nous ou sans que nous puissions distinguer notre voisin. Tellement il faisait noir, on n'arrivait même pas à voir qui avait prié à côté de nous. Donc ça, c'est normal qu'au début du Fajr, il fasse encore très noir. Mais le deuxième jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié son Fajr alors que l'aube s'était bel et bien propagée dans l'horizon. Ça ne veut pas dire que le soleil s'était levé. Attention, lorsque le soleil se lève, là, on n'a plus le droit de prier, c'est la fin du temps du Fajr. Et c'est pour ça que vous trouverez que chez les Hanafites, moi je l'ai personnellement vu en Égypte, lorsque certains de mes voisins malaisiens et indonésiens qui étaient de rite Hanafite ne venaient pas prier le Fajr avec nous à la mosquée alors qu'il faisait nuit, on les trouvait qu'ils priaient le Fajr pratiquement 45 minutes, voire une heure après nous. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient que le Fajr se soit bien propagé à l'horizon. Et ça, c'est le mazhab de Abu Hanifa. Le mazhab de Abu Hanifa, il voit qu'il est préférable de prier le Fajr lorsqu'il s'est bel et bien propagé dans l'horizon. On parle bien de l'aube, on ne parle pas du soleil, du lever du soleil. Et la majorité des savants voient qu'il est plutôt préférable de prier le Fajr à son entrée, au début de son heure, quand il fait encore bien sombre. Donc je pense que je vais m'arrêter là, barakallahu fikoum, parce que le deuxième sous-chapitre, c'est « Shurut au sihhati salat » et il est aussi très important
et j'ai vraiment pas envie de le lire rapidement et de le bâcler. Ça doit faire déjà 1h20. Donc on remet ça à la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa ila liqa yawm al-arba'a idhan. Ittafaqna? Fadrusu jayidan. Jazakumullahu khayran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. والحمد لله رب العالمين